le loup, on 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 attend, une fois. Faut dire que j'ai souffert dans mon enfance. Mais le Seigneur m'a délivré d'un esprit d'homosexualité. J'ai traîné ça depuis j'avais 6 ans et je souffrais. Je voyais que ce n'était pas bon devant Dieu, mais je ne pouvais pas me détacher. Et depuis tout le temps, je faisais ça. Même étant à l'église, on se donnait rendez-vous pour aller faire ça. Et c'est comme ça, mon grand frère m'a... m'a invité lors d'une campagne d'évangélisation à la CMCI. Et j'ai dit, Jésus, je te cherche, je vais être délivré. Parce que ce que je fais là, ça ne t'honore pas. Je peux aller en enfer si je continue comme ça. Et celle avec qui je faisais ça, elle m'a dit, ça, là, on ne délivre pas. Toutes les femmes qui font ça, elles meurent avec. J'ai dit, moi, je serai délivré parce que ça ne vient pas de Dieu. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Jésus-Christ. J'ai dit, Jésus va me délivrer. Et ce jour, je devais aller à la messe. Mais j'étais là, je pleurais sur mon lit. Et c'est comme ça, mon grand frère a dit, venez. Quand on est arrivé à 9 kilos, il dit, allons-y à l'église. J'ai dit, aïe. Quelle église? Il dit, allons. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai entendu ce témoignage. Il y a un esprit qui a dit, tu seras délivré ici. Et c'est comme ça. Quand ils ont dit, qui veut donner sa vie à Dieu? Ma soeur a dit, tiens, dis-moi ton église. J'ai dit, je n'ai pas d'église. Que je m'aie donné ma vie à Dieu. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Alléluia. C'est comme ça, quand j'ai fait ma vraie repentance, quand j'ai fait ma vraie repentance, le démon est venu dans mon songe. Il dit, regarde-moi. J'ai dit, je ne peux pas te regarder. Je suis un enfant de Dieu, né de nouveau. Je ne regarde pas les gens qui sont nus. Et il m'a obligé de le regarder. Il forçait sur moi. C'est comme ça un couteau est venu dans ma main. Et je l'ai poignardé. Jésus-Christ. Jesus Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Clap for Jesus. Depuis je l'ai poignardé, je n'ai plus ressenti cela. Et toutes les femmes qui me draguaient, et toutes elles ont disparu de ma vie. Jésus-Christ. Je vais dire
merci à Dieu, lui qui m'a délivré. C'est depuis l'année dernière que je devais rendre témoignage lors du renversement des principautés, mais à cause de la honte. Aujourd'hui là même, là, j'ai dit à mon frère, j'ai dit, même s'il y a la honte, oh, je vais pas nier ça, je vais aller rendre témoignage. Je vais dire merci au Seigneur. Jésus. Amen. Jesus Christ. Acclamons pour Jésus. Esclave pour Jésus. Je suis la sœur Yaporene Karen. Et je professeur de disciples, la sœur Carole Babatunde. Frère, je veux dire merci au Seigneur qui m'a guéri. Alléluia. Quand j'étais petite, j'ai été déclarée asthmatique. Et j'avais la sinusite. Frère, c'était terrible. Et chaque 2 semaines, je devais me rendre à l'hôpital. Parce que je piquais fréquemment des crises. Et nous étions devenus les clients préférés du médecin. Et je souligne que dans ma famille paternelle, toutes les filles sont asthmatiques et elles ont la sinusite. Amen. À tel enseigne que quand on arrive, le médecin dit, ah, les yapos sont arrivés. Alléluia. Et c'était comme ça. Et à cause de la sinusite, frère, c'est les parfums de bébé que je mettais. Parce que si que je prends un parfum qui a une forte odeur, je suis enrhumée. Et j'étais constamment enrhumée. Alléluia. Et au renversement des principautés de l'an 2017, dans mes 10 requêtes, cela faisait partie de mes sujets. Et j'ai crié au Seigneur qu'il ait pitié de moi. Parce que j'étais tous les jours enrhumée. Et pour ceux qui connaissent la sinusite, c'est désagréable. Il y a la saleté, ça sent. En tout cas, c'est désagréable. Et j'ai oublié. Ce n'est que le lundi, j'étais en train de faire le ménage. Et puis j'ai vu, puisque j'avais des sprays pour pouvoir pomper dans le nez. Et je suis en train de faire le bilan de ma vie. Je me rends compte que depuis 2017, je n'ai pas été enrhumée. Alléluia. Et je me rends compte que depuis 2017... Acclamons pour Jésus. Let us clap for Jesus. Et je me souviens même plus de la dernière crise d'asthme que j'ai piquée. Alléluia. Oh, pourtant, auparavant, frère, il suffit qu'il pleuve. Même si je ne suis pas sous la pluie, je vais tomber. Je vais commencer à agoniser. Et cela faisait que ma poitrine me faisait très mal. Mais le Seigneur m'a délivré de l'asthme et de la sinusite. Je veux lui être infiniment reconnaissant. En tel enseigne que même j'ai jeté mon inhalateur qui était à la maison. Je veux dire merci à ce Dieu-là qui délivre et qui guérit. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Dro Clarisse. Mon fidèle disciple, c'est le pasteur Yannick Mbama. Je veux dire merci à Dieu ce soir, lui qui m'a délivré du démon de l'excision. Ouais, en 1995, ma maman m'avait amené dans son village. Et elle m'a pris un matin, comme ça on est parti, je ne savais pas ce qu'on partait. Elle m'a dit comme ça on partait saluer ma grand-mère. Et arrivé là-bas, j'ai constaté qu'il y avait une cérémonie de l'excision. Et ne sachant pas toujours ce qui se passe, elle s'est entendue avec les vieilles de la cour, tout et tout. Et puis, à 18h, il y a eu la danse qui commence. Je suis sortie de la maison avec les autres filles. On est parti regarder la danse. Quelques minutes après, on vient me chercher. Qu'on t'appelle dans telle maison. Je suis rentrée dans la maison et me rends compte qu'il y a 2 vieilles femmes là-bas. Ma grand-mère même qui m'a accompagnée. Elle dit, bah, les vieilles femmes là vont s'entretenir avec toi. Et puis elle, elle a donné d'eau. Je suis rentrée, il y a une qui avait un tricot, une culotte, et puis il y a une qui avait des écorces un peu écrasées dans sa main. Elle m'a dit, mets ça dans ta bouche, commence à manger. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Elle dit, il faut manger, pas poser de questions. Il y a une qui me dit, enlève ta robe et puis porte le tricot avec la culotte. Frère, c'est le jour où on a prié pour l'excision, pour l'envoûtement de l'excision. C'est après la prière que tout ça m'est venu à l'esprit. Et je me suis rappelé comme ça que le lendemain à 6 heures, on m'a mené. Et je ne savais pas toujours où on m'a mené parce que maman ne m'a pas dit qu'on partait te faire exciser. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans mes des vieilles femmes là encore. Elles ont fait en tout cas ce qu'elles pouvaient de moi. Et c'est après qu'elle revient quelques jours après nous saluer, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Elle dit, ta bouche est tellement dure que si je te disais au village que c'est ce qu'on devait faire, tu n'allais pas accepter, et puis tu allais fuir.
Voilà pourquoi j'étais pris comme ça et puis on est venu. Mais après, frère, il était vacances, quand on devait rentrer à l'école, mon attitude avait changé, je ne me reconnaissais plus, j'étais devenue bizarre. Avant, je posais beaucoup de questions comme elle m'avait reproché, parce que si je n'ai pas compris quelque chose, je ne fais pas. Mais après l'incision, ma tête était toujours abaissée, j'avais toujours honte, je ne pouvais pas regarder une personne en face. En face d'une personne, tout ce qu'on me dit, même si ça ne me plaît pas, je dis oui. Parce que je ne peux pas refuser. Ma tête était toujours abaissée. Et après la prière la dernière fois, quand je me suis rappelée de tout ça, là, je fais un songe la nuit où je passais avec les mêmes sœurs. Et puis il y a un monsieur qui m'interpelle. Que ma fille vient. Et je regarde derrière moi, je pensais que ce sont les autres filles. On dit non, que c'est toi qu'on appelle. Je me retourne et puis me dit que ton mari t'appelle. J'ai dit, mon mari, que je ne suis pas mariée. Il dit, viens, quand tu vas venir, tu vas voir ton mari. Je me suis approchée de lui et je vois un jeune qui sort, grand détail. Parce que quand j'étais jeune, à 14 ans, 15 ans, souvent quand je causais avec mes camarades, ils me disaient que le jour où je me marie, j'allais me marier avec quelqu'un qui est grand détail, bien bâti, un truc comme ça. Et je vois un jeune, grand détail. Mais je ne vois pas son visage. Même le monsieur, même je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Il dit, mais je ne te connais pas. Et je n'ai jamais été mariée. Il dit, tu n'as jamais été mariée, mais assois-toi. On va invoquer nos dieux pour dire merci pour ton arrivée. J'ai dit, invoquez vos dieux. Il me fait sortir des carapaces de tortues avec des escargots attachés. Et les deux se sont assis, ils ont commencé à faire des incantations. Et je me suis levée, j'ai dit non, que je ne participe pas à ce genre de choses. Ils ont dit, c'est qu'est-ce que tu es déjà là? Je me suis levée, j'ai dit, je ne peux pas, je ne parle pas avec ces gens comme vous. Et puis le fils me dit, si tu crois en ce que tu es en train de dire, dis quelque chose et je demande à mes dieux, ça va s'accomplir. Et je ne sais même pas, je n'ai même pas réfléchi, j'ai dit comme ça, s'ils sont aussi puissants que ça, dis-leur de me clouer au sol. Et il a commencé à faire des incantations, il a fermé ses yeux, le temps il va finir, j'étais arrêtée comme je suis devant vous. Et il me demande comment tu as fait et puis tu n'es pas cloué au sol. Je dis c'est parce que j'adore le vrai Dieu. Jésus-Christ. Et frère, les minutes qui ont suivi, je me suis levée, j'ai commencé à sortir de la maison. Le monsieur m'a dit, non, tu ne peux pas sortir parce que tu appartiens à mon fils. Que tu fais partie de cette famille. Il dit, mais je ne vous connais pas. Que on ne m'a jamais donné en mariage. Personne ne m'a adoptée. Je ne suis jamais mariée. Il dit, si tu donnes d'eau, tu vas voir ce qui va t'arriver. J'ai dit, vous avez beaucoup de dieux, mais moi, j'ai un seul Dieu, le Dieu vivant. Et j'ai levé ma main comme ça. Je leur ai dit que, voici, vous avez invoqué vos dieux. Ils ne m'ont rien fait. Maintenant, moi, je vais invoquer mon Dieu. Et j'ai levé ma main et dit, au nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant, celui qui a créé le ciel et la terre, je l'invoque maintenant, qu'il se manifeste en ce lieu. Et voici que le ciel s'ouvre. Et il y a une lumière qui est rentrée dans leur maison, les a projetés dehors. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jesus Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ouais, je venais de comprendre là. Parce que la plupart des choses, c'est même pas passé en songe. C'est ce que je viens de dire que j'ai vu en songe. Mais la réalité, tout ce qui s'est passé dans ma famille, j'ai vu. Comme je parlais beaucoup, et quand je partais à l'école, j'étais intelligente, ils ont fait tout pour ne pas que je réussisse. Ils ont mis ce démon dans ma vie pour ne pas que je puisse poser des questions là, comme ça, à chaque fois que ils me trouvent devant, en tout cas, une preuve que je tombe. Et c'est comme ça, ça a été toute ma vie. Mais depuis ce jour, quand on a fini la prière, la dernière fois que j'ai fait ce songe, dans le songe, avant de partir, la lumière les a projetés, ils ont commencé à se traîner, et tout autour, tout le monde est venu regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai tourné dos, j'ai dit à ceux qui venaient regarder que voici, ils ont dit qu'ils ont des dieux, mais mon Dieu vient de se glorifier. Et j'ai compris cela, que je venais d'être délivré, parce que ce démon me suivait partout, j'ai connu beaucoup d'échecs et je ne savais pas pourquoi. Mais voici que le Seigneur me montre que c'est depuis l'excision que ce démon vivait dans ma vie.
mais qui m'a délivré. Que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis la sœur Clarisse Bayala. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Ouattara Lako. J'adore la cité de Mermoz. Amen. Frère, depuis 2012, dans mes songes, c'est comme je suis mariée. Il y a mon enfant qui est malade, je dois prendre soin de mon enfant. Ou bien je dois laver les assiettes. C'est comme si c'était un foyer. J'étais une musulmane. Frère, c'est ainsi qu'en 2018, ils m'ont prêché l'évangile. Et j'ai accepté. Quand j'ai accepté, j'ai fait ma repentance, mon baptême. Et j'étais là un jour, vers les 10 heures, les frères, dans la journée, j'étais couché. Comme d'habitude, j'ai prié le matin et j'étais couché. Je ne dormais même pas. Et je vois un homme, un démon, frère, physiquement. Et quand il est apparu dans la chambre, j'étais inerte, je ne pouvais pas bouger. J'ai vu que ses pieds, sa bouche, son nez, je n'ai pas pu voir ses yeux. J'étais faible, je ne pouvais rien faire. Et je voyais ma main qui se levait, « Jésus, sauve-moi! Jésus, sauve-moi !» Et à un moment, il est parti. D'abord même, il s'est approché de moi et il a attrapé ma tête. Il dit, « Toi, tu es têtu, tu es têtu !» J'étais là, frère, quand je me suis levée, j'ai commencé à prier. J'avais peur, peur même de rentrer en cité. À chaque fois, je partais voir mon faiseur de disciples, lui expliquer. Et comment il a fait pour dormir? Dès que mes voisines des chambres disent qu'elles sortent net, je prends mes bras, je sors. Je ne pouvais pas rester sur leur chambre. J'étais oppressée, frère. Et c'est ainsi qu'un jour, un soir, je suis allée voir mon faiseur de disciples et il m'a dit, il faut prier avec vie, avec ferveur. Prie! Et je suis rentrée, j'ai commencé à prier, dis Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi de cet esprit. Et depuis qu'il m'avait rendu visite, chaque jour il venait, je sentais sa présence, mais je ne le voyais pas physiquement maintenant. Quand il vient, je sais qu'il est là, je sens sa présence. Et j'ai prié ce jour-là, j'ai prié avec vie, j'ai lu la Bible, j'ai prié. Frère, et je fais un songe dans lequel il est venu. Quand il est venu, il était abattu, affaibli, sale. Et je lui ai dit, au nom de Jésus-Christ, je te brise, je brise tous tes liens que tu avais tissés avec moi. Je l'ai jugé en songe. Et depuis ce jour, frère, c'est comme s'il avait ses barrages dans la chambre. Il a ramassé toutes ses affaires. Il dit, ramasse tout, ne laisse rien, va-t'en de ma vie. Et depuis ce jour, frère, depuis ce jour, il est parti. Et je suis libre, je ne fais plus ce genre de songe où je dois m'occuper d'un enfant, je dois prendre soin de quelque chose. Je suis libre. Jésus-Christ m'a délivré de ce mari de nuit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je vais bénir le nom du Seigneur pour sa fidélité et sa bonté dans ma vie. Moi, c'est la sœur Bansi Livi, disciple du pasteur Traye Ernest. Alléluia. Quand je venais dans cette église, il faut dire que c'est par le canal d'une sœur en Christ ici, Dubaï Edith. Et vraiment, j'étais chargée. Il y avait un gros bagage sur la tête. Et je sortais avec un homme qui se disait homme de Dieu pendant 13 années de ma vie. Et à chaque fois comme ça que je priais, je savais que ce que je faisais n'était pas bien. Et je demandais au Seigneur à ce que Dieu me délivre. Et à chaque fois, il m'appelait. Il me dit, tu veux te séparer de moi, c'est impossible. Toi et moi, on va rester jusqu'ensemble. Tant que toi, moi, je n'ai pas décidé un jour de partir, tu resteras toujours avec moi. Alléluia. Et j'aimais Dieu. J'aimais Dieu parce que je voulais servir Dieu réellement. Et dans les églises, on m'appelait prophétesse. Même quand je prophétise, on dit, ça t'a pas poteau. Je peux voir quelqu'un, puis je donne une révélation claire. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai croisé la sœur. Et elle m'a prêché l'évangile de la CMCI. J'étais tellement fatiguée parce que j'étais orgueilleuse, envie de ma personne. Et le Seigneur a vu que c'était le moment pour vraiment m'attirer à lui. Et c'est comme cela que je suis venue, étant fatiguée, épuisée.
J'ai accepté. Quand je suis venue, j'ai rencontré le pasteur Traillé. Je n'ai pas détaillé ma vie. Je ne lui ai même pas dit que je sortais avec un homme de Dieu. Mais quand il m'a regardé, il m'a dit, on doit faire rapidement ton brisement des liens. Je dis, il n'y a pas de problème. Quand on a dit repentance, je n'ai pas raisonné. J'ai fait ma repentance, baptême, j'ai fait le baptême. Et c'est comme ça, j'ai fait le brisement des liens. Et quand j'ai fait le brisement des liens, j'ai fini mon brisement des liens, je vais au quartier parce que j'étais à Niangon Nord. Il me voit, il me dit, toi, ce que tu as fait là, c'est zéro. On est ensemble. Personne sur la terre ne peut nous séparer. Et je suis revenu voir mon faiseur. Il m'a dit, reste tranquille. C'est parce qu'il est troublé qu'il est en train de se manifester. Alléluia. Et je venais à l'église et le diable a commencé à m'exhorter. Toi, tu es une prophétesse, hein? Tu prophétises. Qu'est-ce que tu as à faire à venir t'asseoir là au milieu des au milieu ici? Sors de l'église et les voix ont commencé à m'oppresser. Mais il a dit, Satan, tu es un menteur. Je vais être là, je vais voir ce que le Seigneur veut faire pour moi. Et je suis restée. Alléluia. Et j'avais seulement que un an ici. Alléluia. Et j'ai refait mon brisement des liens. Quand le pasteur Traillé me disait, tu vois, tu prophétises, mais c'est l'esprit des pitons qui t'utilise. Bien-aimé, j'étais attristée. Il dit, moi, je prophétise comme ça. Et il me dit, l'esprit des pitons. Alléluia. Après mon brisement des liens, j'ai fait un songe. C'est comme sur ma langue, j'avais une autre langue qui était enveloppée dans le songe. Et j'ai retiré la langue. Il dit, Seigneur, délivre-moi. Et la langue est tombée. Quand la langue est tombée, la langue a pris la position d'un cobra. Et j'ai vu ma mère dans le songe, je me dis, allons, il dit, moi, je ne vais pas partir, je vais juger cet esprit. Et j'ai jugé le démon, et le démon a disparu. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jesus Christ. Et bien aimé, depuis ce jour, je peux voir quelqu'un comme avant, on dit, je vois quelqu'un, puis je sais tout de ta vie, je ne sais plus rien. Le Seigneur m'a délivré. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jesus Christ. Acclamons pour Jésus Christ. Acclamons pour Jesus Christ. Alléluia. Le Seigneur m'a délivré encore d'un esprit de mort. J'étais tout le temps avec les morts depuis mon enfance. Je mange avec les morts. Je cause avec les morts. Tout ce que je fais ne me réussit pas. Je fais du bien aux gens. En retour, c'est le mal. Alléluia. Et quand je suis venu ici, le renversement de l'année passée, j'ai crié au Seigneur, Seigneur, délivre-moi. Ce n'est pas normal que je fais du bien aux gens et c'est en mal qu'on me récompense. Alléluia. Et je fais un songe quand papa Minier prêchait, il disait comme ça que même si tu es mort, même si tu es pourri, alléluia, le Seigneur va te reconstituer. Alléluia. Et je fais un songe. Après la croisade, je fais un songe. Dans le songe, on m'a découpé. Et il y a une personne qui est à côté, qui me voit, qui dit, tu vois, tu es morte, tu es sans vie. Et quand je me suis réveillée, j'ai refusé cette parole. J'ai dit, le pasteur a dit que même si tu es pourri, tu es ressuscité. Alléluia. Et j'ai commencé à prier. Et j'ai fait un autre songe où, effectivement, je suis reconstruite. Mais il y avait des vers qui étaient en moi. Plein de choses qui étaient en moi. Et il y a une voix qui me dit, c'est pas ton règne du règne de l'esprit de mort. C'est pas ton règne du règne de l'esprit de mort. Bien aimé, quand je me suis réveillée, c'est cette prière que j'ai faite. J'ai commencé à prier comme ça. Et je n'ai plus jamais vu un esprit de mort dans ma vie. Je ne me suis plus jamais vu en train de manger avec les morts. Ni causer avec les morts. Pour Jésus-Christ. Alléluia. Et j'ai fait la délivrance, mais le faux prophète, il était une principauté dans ma vie. Il me contrôlait partout. Je peux avoir de l'argent, mais tu es assis là-bas, tu as telle somme, envoie-moi et j'envoie. Et moi-même, je suis dépouillée. Mais quand on a fait mon brisement des liens, il se trouve que c'était ma mère qui m'avait vendu à lui. Donc, il me disait que je l'appartenais. Et quand je suis partie, par la grâce de Dieu, il a fait un an ici, et on m'a envoyé en mission à Silimatiali, par la grâce de Dieu. Et quand je suis partie, il m'appelle. Il a commencé à m'envoyer des messages de malédiction. Tu veux te séparer de moi, tu ne vas jamais reçu dans la vie. Tu ne vas pas. En tout cas, il a envoyé plein de malédictions. Et j'ai jugé, je suis allée voir mon régional et j'ai montré à mon régional. Mon régional l'a appelé. Alléluia. Parce qu'avant, les gens me rejetaient à cause de l'esprit de mort. Les gens me rejetaient. Donc, quand même, j'étais à la séance. C'est quand on dit, sois béni, il dit. Je suis dans mon coin, il dit, sois béni. Puis après, il va m'accuser.
Après, encore, il va dire des choses. Donc, j'avais peur de tous les frères. J'avais peur même de tous les soeurs. Je ne m'approchais de personne. Et mon régional a pris le numéro. Il a appelé, il a commencé à le menacer. Il dit plus jamais. Il a tout qu'il a commencé à proclamer des paroles. Et cet homme ne m'a plus jamais appelé. Jésus-Christ. Et le même jour, j'ai fait un songe où il avait mes photos. Il avait plein de mes photos. Et derrière chaque photo était écrit une malédiction. Derrière chaque photo était écrit une malédiction. Et j'ai arraché toutes mes photos. J'ai récupéré toutes mes photos. Il voulait m'arracher. J'ai saisi la main. Il a lutté. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Et c'était une victoire pour moi. Il est parti pour de bon. Il est parti pour toujours. Il ne m'a plus jamais appelé. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jesus Christ. Et avant-hier, puisqu'on ne me voit plus, ma famille, personne ne me voit, Jésus m'a délivré. Le Seigneur a fait vraiment un grand travail dans ma vie. Et dans la dénomination, il y a une dame que j'avais invitée ici, voir le pasteur travailler, elle est partie. Elle est venue m'appeler au téléphone, je veux te voir. Elle me cherchait partout en famille. Et elle est venue même ici. Quand elle m'a vue, elle m'a embrassée. Bien-aimée, elle a commencé à sentir des picotements dans le corps, dans tout le corps. Et le Seigneur me disait que c'était un envoûtement. Et quand on est venu, le pasteur Mini a commencé, papa a commencé à prier pour l'envoûtement. Et quand il a commencé à prier, les boutons ont commencé à sortir sur tout le corps. Le corps a arrêté de me picoter. Et le deuxième jour, quand il a commencé à prier pour l'envoûtement, j'ai commencé à vomir, vomir, vomir. Il faut dire qu'après ça, je n'arrivais même pas à prier. C'est quand on vient ici, là, je lève la voix pour prier. Mais je n'avais pas cette capacité, cette force-là de prier. Mais quand j'ai vomi, bien aimé, où je suis là? Ah, je suis plus qu'un soldat. Alléluia. Le feu de Dieu est là. Alléluia. Donc, je veux dire infiniment, merci au Seigneur. Lui qui m'a délivré de ce faux prophète. Alléluia. Toi qui vas partout dans les églises, bien aimé, j'avais posé les actions prophétiques avec les hommes de Dieu. Il faut pointer tes parents sorciers. Et je prenais des pointes. Toi, mon parent sorcier, il dit son nom. Bon, oh, toutes ces pointes-là, bien aimé, étaient en moi. C'est ici que j'ai reçu la délivrance dans un songe. Et j'avais des douleurs dans le corps. Et c'est ici, à la CMCI, que j'ai reçu la délivrance. J'ai fait un songe où j'enlève les pointes dans mon corps. Plein de pointes dans mon corps. Point de plein. Depuis ce jour, toutes ces douleurs ont disparu. Je veux dire infiniment, merci au Seigneur pour sa grâce et sa bonté dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, amen. Clamons pour Jésus-Christ. Esclamons pour Jesus Christ. Gloire à Dieu. C'est le frère Koundé Métier. Hier, pour vous faire Madame Lydie Goué. Frère, cela fait un mois que j'avais en songe, j'avais mes dossiers à main. Comme si je me rendais quelque part. Et un vieillard, derrière moi, il arrache les dossiers. Frère, c'était vraiment une lutte. On a commencé à lutter. Je l'ai fauché et puis j'ai arraché mes dossiers. Frère, là, je venais de voir que je viens d'être délivré. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jesus Christ. Frère, hier à 13h55, le fixe sonne. Je prends le portable, c'est le ressource humain qui m'appelle. Il dit, frère, on a besoin de toi. J'arrive en mettant un papier, je regarde le papier. Le papier dit, Koundé Métier, tu as embauché définitivement. Jésus-Christ. Et je veux vraiment dire merci au Seigneur qui combat pour nous. Que l'honneur et la gloire lui reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame. Clap for Jesus. Clap. Acclamons pour Jésus-Christ. Là, c'est Nguessa Marie, là. Mon faiseur de disciples, c'est Mel Agathe. Je voulais glorifier le nom du Seigneur. Depuis 2005, mes tapettes que je portais, j'ai mis devant la porte. Je suis rentrée dans la maison. Quand je suis sortie, je ne vois plus mes tapettes. En ce moment, je vivais avec mon mari, mais il est décédé.
Je lui ai demandé, mais tout de suite, je suis rentrée dans la maison, j'ai enlevé mes tapettes pour mettre devant la porte. Je ne vois pas mes tapettes. Qui a ramassé mes tapettes? Il dit, que tu mets les choses, tu fais les choses en désordre. Ils ont ramassé tes tapettes. Depuis ce jour-là, je suis devenue ivrogne. Parce que depuis quand j'étais petite, même coca, je ne buvais pas. Jusqu'à l'âge de 17 ans, 18 ans, coca même, je ne buvais pas. Mais depuis quand on est parti dans la cour là, ils ont ramassé mes tapettes là, je bois comme de l'eau. Même Koutoukou, matin comme ça, même le matin quand il fait jour comme ça, je sors, je m'en prends 50 francs. Je viens, je vais, 100 francs. Jusqu'à matin, jusqu'à la nuit, je suis couf. Pas une là même, ça va de l'autre côté. Même le monsieur, jusqu'à 2005, jusqu'en 2014. C'est là que mon mari est décédé. J'étais assise, on est parti l'intérieur, on est venu, j'étais assise. Et il y a un frère qui s'appelle frère Kwadjo Blaise qui est rentré dans la cour pour aller prêcher l'évangile. Acclamons pour Jésus-Christ. Love for Jesus. Acclamons pour Jésus-Christ. Love for Jesus. Alléluia. En ce moment que je buvais trop là, je partais à l'Assemblée de Dieu. Ah, ça là, ils ont pris chaussures, ils m'ont eu. Donc, il est rentré, j'étais assis là. Il causait avec ma fille. Je me suis levée, j'ai dit, ça m'a pris. Et puis j'ai dit, frère, viens me parler. Il y a quoi? C'est ça, il a parlé. J'ai dit, dimanche là, j'ai parti avec toi. Dimanche, je suis parti avec lui. J'adore, j'adore. 2014, jusqu'à ce jour, je ne bois plus. Jésus-Christ. Jesus. Acclamons pour Jésus. Love for Jesus. Acclamons pour Jésus. Love for Jesus. Et c'est hier que le Seigneur va ramener mes tapettes. Hier, je dormais. Je vois la cour où nous sommes. Présentement, j'habite là-bas. Le Seigneur a tout cassé les murs. Et je vois tas de chaussures. Et je regarde, je ne vois pas pour moi. Je dis, mais. Je cherche mes chaussures, je vois pas même tapette là, je vois pas mes chaussures. Et il y a un monsieur qui vient de là-bas, un grand monsieur, il est venu dire, va dans la maison qui est là-bas là. Tes tapettes sont là-bas, c'est une femme qui a pris. Et j'étais avec une petite fille. J'ai dit, va dans la maison, va prendre mes tapettes. La petite fille est partie, elle dit, elle donne pas. C'est ça, j'ai dit, bon, moi-même, j'ai parti. Je suis rentré, quand je suis rentré net, quand son mari m'a vu, il dit, il y a lumière. Et puis son mari dit, donne les chaussures de la dame. Et son mari, elle ne voulait pas donner. Et puis son mari est rentré en bas de la table. Il a pris mes deux chaussures. J'ai vu mes chaussures que je portais vis-à-vis au dehors ici, qu'ils ont ramassé là. J'ai vu mes tapettes, son mari m'a donné. Je dis, voleuse, tu as volé mes tapettes. Et son mari, elle voulait parler. Quand je vois, voilà, épée. Quand j'ai pris, je voulais la couper, son mari. Et puis elle, son mari l'a pris. Ils ont fui, ils sont partis. Donc je remercie le Seigneur. Le Seigneur m'a délivré de l'envoûtement. Acclamons pour Jésus-Christ. Love for Jesus. Je remercie le Seigneur aussi. Ma petite sœur qui est en Europe, quand je l'ai prêché l'évangile, présentement elle attend de suivre. C'est comme fait là. Elle suit tout. Elle ne dort pas. Et elle s'est convertie avec ses enfants. Elle dit, votre église s'est là. C'est fort là-bas. Jusqu'à présent, elle-même qui est en Europe là, elle prêche ses soeurs qui sont à Abidjan ici, de venir me voir en venir. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Présentement, elle a Clermont-Ferrand. Elle a cherché le pasteur de Paris. Elle a vu le pasteur de Paris. Il y a un jeune qui est à Clermont-Ferrand. Ils sont en train de... Chaque dimanche, ils vont à l'église. Je bénis le nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je m'appelle Kofi Adi Abraham. Et je professeur le pasteur Balo Blanchard. En fait, je veux dire merci à Jésus, lui qui m'a délivré. Avant mon brisement de lien, j'ai cherché toutes les informations qu'il faut. Et j'ai trouvé toutes les informations, mais je savais qu'il restait quelque chose. Et vraiment, je n'ai pas trouvé ça. Mais hier... On a prié et vraiment, j'ai prié comme c'était jamais. Et hier nuit, je suis allé me coucher, j'ai vu une de mes tantes. Elle était venue triste et on était dans une chambre. Elle me disait comme ça que, où tu es parti là?
tu es en train de tuer ton papa. Et je lui ai dit, mais moi, mon papa, il est mort depuis 2017. En comment je suis en train de le tuer? Il dit, non, non, Dieu qu'on adore, là, c'est ton papa. Et vraiment, j'étais surpris. Et je me suis retourné. Elle faisait pitié et puis elle plaidait. Elle disait que vraiment, faut plus aller à la CMC, que vraiment, tu es en train de tuer, non, papa. Et vraiment, je me suis fâché. Et je lui ai dit comme ça que, lui que tu appelles mon papa, c'est qui? Et elle a commencé à m'expliquer. Elle a commencé à me dire comme ça que ma grand-mère adorait papa nouveau. Donc, quand on est venu au monde, elle a commencé à adorer papa nouveau, elle nous a confié à papa nouveau. Et c'est comme ça que je suis devenu enfant de papa nouveau. Moi, mais je ne sais pas. Acclamons pour Jésus-Christ. Les clap pour Jesus Christ. Et vraiment, quand elle a dit ça, je me suis retourné et je lui ai dit, je ne fais pas partie de son enfant. Alléluia. Et j'ai jugé. J'ai jugé et je lui ai dit comme ça qu'il faut bien me regarder. Et vraiment, elle faisait pitié. Elle me disait qu'il ne faut pas faire ça. Et je lui ai dit, il faut bien me regarder. Et elle était couchée. Elle s'est levée, elle m'a regardé, je lui ai dit que plus jamais je ne suis plus enfant de papa nouveau, que désormais je suis un citoyen céleste né de nouveau. Alléluia. Jésus Christ. Jesus Christ. Et j'ai jugé et je l'ai chassé et elle partait en pleurant. Et comme ça, elle a dit que pourquoi tu as délivré la famille? Et je sais que les principautés de la famille étaient renversées. Alléluia. Que le nom de Jésus soit Amen. Sois béni. Je veux dire infiniment merci au Seigneur d'avoir conduit mes pas en ce lieu, en cette église. Amen. Frère, je suivais une oppression de 3 démons. Marie des nuits, envoûtement à la nourriture et je mangeais toujours avec les morts. Donc vraiment, durant plus de 2 ans, 3 ans, j'ai cherché comment finir avec ces oppressions-là. Et comme ça n'allait pas, j'ai prévu aller au Nigeria croiser un homme de Dieu qu'on appelle Tibi Yeshua. Amen. Et c'est ainsi que j'étais en train de me préparer. Et je suis allé sur le net, j'ai vu CMCI organiser une croisade de renversement des principautés. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Amen. Quand j'ai vu cela, j'ai dit, bon, ça ne vaut pas la peine. J'ai passé dans d'autres églises, j'ai fait les offrandes. Bon, zéro, rien ne va. Donc moi, forcément, je disais à un aîné, moi, je vais aller au Nigeria, aller croiser Tibi Yeshua, puisque je regardais ces spectacles. Donc c'est en cela, j'étais en train de me préparer pour aller faire le passeport. Quand j'ai vu la croisade sur le fils, j'ai laissé passer et je suis rentré à la maison. Aux environs de 2 heures, c'était fin mai, aux environs de 2h05, j'attends Esmel, va à la CMCI pour ta délivrance. Amen. Jésus Christ. Jesus Christ. Et c'est ainsi que je suis rentré en contact avec mon fidèle disciple, qui est le pasteur Marc. Quand il est allé le voir, je l'ai expliqué. Il dit, toi, ton cas d'Accra, Dieu de Davou, là, vraiment... Viens, je suis parti, je ne suis plus revenu. Et c'est encore dans la nuit, encore, je vois, retourne chez le pasteur Marc. Et quand je suis arrivé à l'église, j'ai fait le culte avec lui, je lui ai demandé de prier pour moi. Et il a mis sa main derrière. Pour moi, c'est l'argent qu'il allait me donner. Il me sort une feuille, il me dit, repentance. Il dit encore. Et effectivement, quand je suis reparti, j'ai dit, je ne voulais pas. Et dans la nuit encore, j'ai entendu, repens encore chez le pasteur Marc, repentance. Et je suis allé, j'ai fait la repentance. J'ai fait le baptême. Et je crois que depuis ce jour, ma vie a commencé à changer. Jésus-Christ. Jesus Christ. Ces trois locataires que j'hébergeais, Marie de nuit, des mois et tous, ils ont disparu. Amen. Amen. Jésus-Christ. Jésus Christ. Prisca Gogoa, disciple du frère Théodore Andossé. Et je voudrais dire merci au Seigneur pour 2 délivrances. La première délivrance, c'est par rapport à un esprit de chat qui m'avait possédé. Et la deuxième délivrance, c'est par rapport à un esprit de prostitution de ma famille. Quand je suis allée en 2017 en vacances en Allemagne, j'ai eu des oppressions. Et quand je suis revenue, j'ai rencontré les songes à papa. Il m'a dit de faire mon brisement des liens. Et c'est pendant que je prenais les renseignements auprès de ma maman, Dieu merci, c'est une sœur en Christ. C'est là qu'elle me dit, lorsqu'elle était enceinte de moi, ils sont venus lui dire en songe que l'enfant que tu portes est un chat. Elle me dit, ah,
non, cet enfant-là ne peut pas être un chat. Et à notre grande surprise, le lendemain, un ami intime de mon père, qui était un cuisinier chez les Blancs, lui envoyait un chaton. Et elle était surprise. Elle voulait jeter le chaton. Mais elle s'est dit, mais si je fais ça, peut-être c'est mon enfant. Donc elle a adopté le chaton. Elle a commencé à lui donner du lait. On l'appelait Mimi. Et mon papa aimait beaucoup les chats. Et pendant que j'étais petite, je causais beaucoup avec mon grand-père. Je lui posais des questions. Et c'est lui qui me disait que son père, qui était jumeau, aimait les chats. Il avait beaucoup de chats à la maison. Et figurez-vous que quand je suis née, c'est le chat qui veillait sur moi. Ma maman lui dit, je vais à la cuisine. Il faut prendre soin d'elle. Il est couché à côté de moi dans le lit. Il dort avec moi. Dès qu'elle le voit à la cuisine, c'est que j'ai un problème. Au début, elle ne comprenait pas le langage. Chaque fois qu'elle vient, il se frotte, il se frotte, il se frotte. Après, elle le suit. Et quand elle vient, soit je suis réveillée, je suis en train de pleurer, j'ai un besoin. Et c'est comme ça qu'on a évolué. Et c'est comme pendant que je devais refaire mon brisement des liens que j'ai eu toutes ces informations. On m'a délivré 7. Mais c'est l'année passée, au jeûne du renversement des principautés, au 10e jour, j'ai fait un songe. Et dans le songe, je suis seule. J'ai vu un chat noir dans mon salon. Je lui ai dit, tu vas partir. Et la porte était fermée. Je lui ai dit, tu vas partir par les vitres. Et quand je suis revenue du service dans l'après-midi, j'ai commencé à prier. J'ai dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, tu vas partir. Et quand j'ai commencé à prier, violemment, j'ai commencé à me déguiser en un chat. Et le cri qui est sorti de moi était un cri de chat. Et dès que le cri est sorti, j'entends derrière ma fenêtre un chat miauler. J'ai jugé l'esprit. J'ai dit, aujourd'hui là, c'est fini. Le mariage là, c'est fini. Et je suis infiniment reconnaissante au Seigneur. Alléluia. Je ne l'ai jamais rendu publiquement devant toute cette foule là. C'est à un moment que, quand ça s'est passé, je l'ai appelé. Je lui ai dit, maman, voici ce qui s'est passé. Et après m'a passé, papa, je lui ai dit le témoignage. Je suis infiniment reconnaissante pour cette délivrance que le Seigneur a accordée dans ma vie. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclame pour Jésus-Christ. N'applaudis pas pour Jésus, acclame pour Jésus. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Le second témoignage, c'est par rapport au renversement des principautés de cette année. J'ai commencé le travail sur la sanctification, à renverser les idoles de mon cœur avant le jeûne. Et un jour, je fais un songe. Je vois des femmes, belles, vieilles, qui ont porté un pagne baoulé. Tu as attaché le pagne jusqu'ici. Et c'était un certain homme. Et il y a une qui m'a dit, on sert les grands. Je dis, ah, vous servez les grands. Quand je me suis réveillée, j'ai demandé au Seigneur, c'est quoi? Et chaque fois dans mes songes, je ne suis pas habillée. Soit je suis nue, soit j'ai un pagne ici. Ça me trouble. J'ai dit, mais pourquoi je ne suis pas habillée quand je fais mes songes? Et c'était quelque chose qui me troublait beaucoup, mais je n'arrivais pas à partager. Et pendant qu'on refaisait mon brisement des liens, il y a une maman qui a dit, quand elle a fermé les yeux, il y avait une femme qui avait un pagne baoulé là, et elle a fui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire le rapprochement. J'ai demandé au Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est là que le Seigneur va m'instruire. Il dit, avant, dans les royaumes baoulés, mon père est baoulé, il y avait des prostituées, des femmes belles qui n'étaient pas mariées, qu'on mettait là à la disposition des rois. Quand un roi quitte son clan pour venir chez un autre, puisqu'il ne voyage pas avec sa femme, donc ces femmes-là sont obligées de satisfaire ses besoins. Soit peut-être les vices des notables ou bien des grands du royaume. Donc j'ai une arrière-grand-mère qui a joué ce rôle-là. Gloire à Dieu. J'ai dit merci Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier pour me séparer de cette tribu de prostituées, de ce pagne que je vois chaque fois en songe, je ne suis pas vêtue. Figurez-vous que quand j'étais en terminale, arrivé un moment, à cause de la situation difficile de ma vie, j'ai dit qu'il fallait que je sois une prostituée de luxe. Mais Dieu merci, je ne suis pas arrivée là-bas. Dieu a préservé mes pas et le salut m'a atteint très tôt. Alléluia. Je veux dire merci au Seigneur. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Acclame clap pour Jésus-Christ. Alléluia. Et depuis ce songe-là, c'était au début du jeûne. Quand je dors paisiblement,
je ne me vois plus nue dans les songes, avec un morceau de pain ici. Vraiment, je vais dire merci au Seigneur pour cette délivrance. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le puissant nom de Jésus. Je suis la sœur Victoire Yohou. Mon faiseur, c'est l'ancien Toali. J'adore chez les Toali. Et mon pasteur, c'est le pasteur Abraham Ametoglo. Je veux dire merci à Dieu qui m'a délivré d'une paralysie depuis 2009. Ceux qui me connaissent ici savent que dans ces derniers temps, je marchais avec une béquille. J'ai contacté cette paralysie lors de l'accouchement de mon fils, mon dernier. L'enfant était en transversale et j'étais dans une domination en ce temps. Et le prophète m'a dit, Dieu va te faire accoucher. Alors que mon gynécologue m'avait dit, compte tenu de ton âge, maman, tu dois passer forcément par une césarienne. Dans l'ignorance, j'ai suivi l'homme de Dieu. Et le jour de l'accouchement, quand la sage me disait de pousser, j'ai eu des crampes. Elle m'a dit, maman, le gynécologue n'est pas là. Si tu ne pousses pas, tu vas perdre le bébé. Si on veut s'occuper des crampes que tu as, tu vas perdre ton bébé. C'est ainsi que j'ai poussé et l'enfant a été sauvé. Un mois et demi après, j'ai été paralysée. Nous sommes allés faire les radios et on m'a dit que l'os du fémur du bassin avait attrapé les nerfs sciatiques. Et j'ai traîné cette paralysie. Et je broyais aussi du noir dans mon foyer. J'étais même au bout même de demander le divorce. J'ai consulté des frères biologiques qui m'ont dit qu'il faut partir. Parce que j'avais la tension. J'avais une insuffisance cardiaque. Je ne supportais plus mon époux. J'ai eu même à lui dire que tu me donnes la nausée. Et c'est ainsi que j'ai croisé ma grande sœur, sœur Yikbe. Yikbe Sylvie, qui est ma grande sœur biologique. Ce jour, elle est venue me rendre visite. D'habitude, quand elle vient, je ne m'occupe pas d'elle. Parce que dans la domination dans laquelle nous sommes, le prophète nous faisait croire que la CMCI était une église primitive. Que tu n'es pas m'approcher d'elle. Donc, je ne m'approchais pas de ma grande sœur. Et ce jour-là, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu as consulté tout le monde, consulte-la. Quand elle m'accompagne, j'ai dit, voilà, ma grande sœur, je veux divorcer. Elle dit, quoi? J'ai dit, oui, j'ai préparé mes dossiers, demain, je vais me trouver un avocat et divorcer. Elle dit, non, tu ne divorceras pas. Je lui ai dit, si je ne divorce pas, je vais mourir. Je suis paralysée, j'ai la tension, j'ai une insuffisance cardiaque. Elle dit, non, tu ne divorceras pas. Et elle m'a conduit chez Papa Toali. Arrivé, quand je lui ai expliqué, il m'a dit, maman, j'ai dit, oui, papa. Il dit, tu es dans le faux. J'ai dit, ah, papa, comment je suis dans le faux? Mon prophète là-bas m'a dit de divorcer, que le divorce est normal, que si je ne divorce pas, je vais mourir. Et toi, tu me dis de ne pas divorcer. Il dit, maman, j'ai dit, tu ne divorces pas et tu ne divorceras pas. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Et j'ai commencé à remplir mon cahier de repentance. Quand j'ai fait le baptême de la repentance, la joie que je n'ai jamais eue, même le jour de mon mariage, je n'avais pas cette joie-là. Cette joie est descendue en moi. Jésus-Christ. Moi qui disais que je ne pouvais jamais pardonner à mon époux tout ce qu'il me faisait, je me suis ingénuée devant lui et dit, papa, je te demande pardon. Pour tous ces jours, ces nuits, ces heures que je t'ai fait souffrir, je te demande pardon. Je te demande vraiment pardon. Pardonne-moi. Tant que tu ne vas pas pardonner, je ne vais pas me lever. Il m'a dit, lève-toi. Moi aussi, je dois te demander pardon. J'ai dit non. C'est moi qui dois te demander pardon. Et c'est ainsi que je me suis réconciliée et avec mon époux et avec mes enfants. Mais le mal persistait. De la hanche, c'est rentré maintenant dans le genou. J'étais souvent à la veille avec maman Colette. Mais à cause de la douleur, je ne pouvais pas. C'est mon époux qui me lavait. C'est mes enfants qui m'habillaient. Je dépendais de mes deux filles. Une fois qu'elles sont allées à l'école, j'étais bloquée. Mais dehors, j'avais la bonne mine. Je disais, Seigneur,
Je veux ta compassion et non la compassion des humains. Parce que c'est toi qui délivres, c'est toi qui sauves. C'est ainsi que l'année dernière, pendant la croisade dernière, Jésus-Christ m'a délivré de l'insuffisance cardiaque et de la tension. Et cette année, quand ils sont venus à la croisade, j'ai dit, Seigneur, ma santé t'appartient. Le premier jour, je suis venu à la béquille. Je suis allé voir le médecin. Il me dit, ah, maman, de toute façon, tu as mal. Et puis, tu refuses de prendre les anti-inflammatoires. Parce que ma mère est adoptive du corps médical. Tellement j'avais mal, souvent, quand on me dit de prendre 4 gélules, je prends 8 gélules. Ben, la nuit, je n'arrive pas à dormir. Maman m'a dit, non, où tu vas là? Tu vas avoir une insuffisance rénale. Donc, j'ai tout arrêté. Et le médecin me dit, tu dois prendre une deuxième béquille. Il dit, une béquille même, la confesse pas le nom de Jésus. Tu me demandes deuxième, je ne veux pas. Il dit, maman, tu vas te faire mal. J'ai dit, je vais aller à la croisade. Après la croisade, si Jésus ne me guérit pas, je vais prendre la deuxième béquille. Le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, quand j'étais allé à l'adoration, mes enfants ont dit, maman, maintenant là, tu ne dépends plus trop de nous. Et j'ai dit, Jésus est en train de faire. Et le lundi, je me suis levée. Il faut dire que pour me coucher, c'est les filles qui venaient m'aider à m'asseoir. Quand je suis sur une chaise, c'est elle qui venait m'aider à me lever. Même pour aller aux toilettes, c'est mes filles qui m'aidaient. Et lundi, je me suis levée du lit. J'ai dit, Seigneur Jésus, je n'ai pas pris de béquilles. Je n'ai rien fait. Je suis venue à la croisade avec ma fille et mon dernier. Je suis montée dans le baka. Personne ne m'a soutenue. J'ai dit, Jésus-Christ, tu viens de me guérir. Acclamons. Let us clap. Pour Jésus-Christ. For Jesus. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Le 9e jour de la croisade, j'ai pris le feu du 7e jour. Je méditais là-dessus. J'ai dit, Jésus, papa Méni a dit, je l'appelle mon grand-père affectueusement. J'ai dit, mon grand-père Méni a dit que tu dois enlever tout ce que tu peux enlever dans mon corps. Tu dois changer tout ce que tu dois changer dans mon corps. Mais enlève-moi de tout envoûtement. Et ce qui a dépassé mon entendement, le 9e jour de la croisade, à 9h30, je plaçais mes bagages. J'ai vu des bêtes qui sont sorties de mon corps, visiblement, physiquement. Jésus-Christ. Jésus. Quand il pleut, il y a des bêtes toutes noires qui viennent autour des ampoules. Ces bêtes-là ont commencé à sortir de mon corps. J'ai eu peur et j'ai demandé à ma fille, Domi, regarde si je n'ai pas pris les nids de ces bêtes-là dans mes cheveux. Elle dit, non, il n'y a rien dans tes cheveux. J'ai dit, pardon, viens m'aider à enlever ces bêtes. Elle dit, maman, c'est tes bêtes à toi seule. J'ai commencé à enlever ces bêtes de mon corps, J'ai appelé mon dernier, Abraham, viens m'aider. Il a fait un peu, il dit, maman, je m'en vais. J'ai dit, ah, vous allez me laisser seule. Il dit, maman, c'est pour toi. Pendant 45 minutes, j'ai enlevé ces bêtes-là de mon corps. Quand je remue le pain, ces bêtes-là tombent. Et il y a une femme du là qui est à côté de moi. Elle dit, elle appelle papa Toali, Almami. Elle dit, va voir ton Almami, que ce n'est pas normal. Est-ce que je pouvais dire ce qui sortait de ma bouche, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. C'est le seul mot que je pouvais dire. Je suis allée me laver, même dans la douche, les bêtes-là sortaient encore de moi. Et je suis allée voir papa Toali. Quand je lui ai expliqué, il dit, maman, tu viens d'être délivrée. Jésus-Christ. Jesus. Il faut dire que depuis 1980, quand j'ai fait la classe de 6e, j'étais allergique à la pluie. La pluie ne me touchait pas. Quand la pluie me touche, mon corps s'enfle. Ma tête, mes cheveux, jusqu'à la pointe des pieds, je ne peux rien faire. Donc ma mère adoptive m'a mis sous Atarax. Et quand je prends ça, je ne peux pas étudier, je ne peux pas aller à l'école. Ce qui a fait que j'ai mis fin à l'étude scolaire. Depuis 1980, quand il pleut, je ne sors pas. Quand il pleut, je ne sors pas. Et c'est là, le Seigneur va me ramener. Il dit, ma fille, depuis 1980, tu avais ces bêtes-là en toi. C'est à cause de toi, tu étais allergique à la pluie.
Mon père, qui était du corps médical, m'a envoyé voir un docteur, docteur de l'OMAS. Ils m'ont même coupé la chair, fait des analyses. On dit qu'il n'y a rien. Examen de sang, de sel, on dit qu'il n'y a rien. Et ce docteur a dit à mon papa, permets que ta fille aille se laver avec l'eau de mer. Mon papa a dit non. Moi-même, j'ai horreur de l'eau. Ma fille ne se lavera pas avec l'eau de mer. Et dans le songe, Dieu me montre encore. Toute petite, notre tante qui nous a élevés m'appelait par un surnom, maman poulet, maman coq. Et dans le songe, j'étais avec le Seigneur et il a ouvert une image des enfants. Il dit, vois, la petite que tu vois là, c'est toi. Aujourd'hui, tu seras délivré de ce surnom, maman poulet, maman coq là. Et j'ai vu sortir de moi un poulet énorme. Et le Seigneur l'a découpé. Il dit, aujourd'hui, je te délivre de ce nom qui est rattaché à ta personne. Nous sommes encore allés un peu plus loin. Quand j'étais née, j'étais vraiment en forme. Donc, les gens m'appelaient la grosse bébé hollandais, du pain mouillé. Et il dit, voilà, là, le gros bébé parmi les bébés, là, c'est toi. Aujourd'hui, moi, l'Éternel, je te délivre de tous ces surnoms. Et de moi est sorti un gros bébé, un énorme bébé comme les Michelin, là. Et le Seigneur a découpé. Il dit, aujourd'hui, ma fille, je te délivre de ça. Mais Satan ne voulait pas que je rende ce témoignage. Il m'a dit, quand tu vas rendre le témoignage, les frères auront peur de toi. Les frères ne vont pas s'approcher de toi. Papa Toilé a dit, rends le témoignage. Et des sœurs dans la salle m'ont encouragé à rendre ce témoignage. Je veux seulement dire merci Satan à Dieu. Satan est un menteur. Satan is a liar. Satan est un menteur. Satan is a liar. Satan est un voleur. Satan is a thief. Satan est un menteur. Satan is a liar. Gloire à Dieu. Gloire au procureur. Alléluia. On dit que Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Je crois que ça a été mon cas. Figurez-vous qu'étant incapable de jeûner, j'avais fait un planning pour jeûner. Et j'ai réussi, mais je n'ai pas tenu au jeûne sec pour la convention. C'est-à-dire, bon, je commençais le matin et je coupais quand même. Mais dans ça, je demandais à Dieu de m'apprendre à jeûner, que je tienne pendant le jeûne. Et puis j'ai tenu comme ça. Et puis voilà que, subitement, qu'est-ce qui se passe? La convention, celle-ci, commence. D'accord. Et puis, chaque fois que... il faut couper le soir, je n'arrive plus à couper. Donc pour moi, c'est Jésus qui m'a ragaillardi pour que je jeûne sérieusement. Le matin, je bois quelque chose. Le soir, je ne peux pas couper. Et c'était comme ça. Et j'ai commencé à avoir mal au foie. Je ne pouvais plus, je ne tenais plus. Quand il fallait venir, c'était impossible. Je m'accrochais à mon lit. C'était tellement douloureux. Pendant 4 jours comme ça d'affilée, je ne pouvais pas manger. J'ai dit au Seigneur, écoute, si vraiment tu veux me prendre, prends-moi vraiment parce qu'il vaut mieux être avec toi qu'être vraiment aussi mal en point. Je n'en pouvais plus. Et avant-hier, je n'en pouvais plus. J'ai cru que c'était ma fin. Je suis allée au cabinet que dirige le pasteur Mathias. Je lui ai dit de me faire un des traitements qu'ils font là-bas. Et pour que je puisse m'en sortir, tellement j'avais mal. La sœur Brigitte Zadi, qui s'occupe de ces cas-là, de ce traitement, m'emmène dans la pièce et elle commence le traitement et je ferme les yeux pour me reposer. Je vois le visage d'un vieil Indien. Un Indien, c'est-à-dire, il ressemble à un Libanais, mais un Indien. Il a les cheveux blancs jusqu'ici, il est un peu potelé. Il me regarde et puis il me fait un clin d'œil. Ah, je me suis dit, alors là, en général, les maris de nuit sont un peu plus jeunes. Mais si moi, dans mon cas, c'est ce vieillard, d'abord, il n'en est pas question. Il n'en est pas question qu'il s'en aille, même s'il était jeune. Je me suis levée. Brigitte était sortie. Quand elle sort, je me lève et je juge, je le tue, je le chasse, je le tape. Je sais, Brigitte rentre dans la chambre, je me recouche calmement. Et puis quand elle ressort encore, je te chasse, je te vois dès le... Dépêche-toi. Et en un moment donné, j'ai vu l'élément se lever et il s'est retourné comme ça quand il partait. Je suis arrivée, je l'ai vu, je me suis vue. Et puis je l'ai poussé dans l'eau.
et je lui ai tombé dans l'eau. On a fini le traitement, je ne pouvais pas venir parce que ma fille était inquiète. Elle me dit, si tu viens ici, que tu tombes. Je dis, non, je vais aller à l'église. Non, 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 allons chez moi à Bassam. On s'en va à Bassam. Au moment où on arrive là-bas, mon frère m'appelle. Je lui dis, hey, oh, où est-ce que tu es? Il me dit, je suis à Barcelone. Il travaille comme directeur académique pour une université. Je suis à Barcelone. Je t'appelle. Je dis, mais attends, je vais te dire une chose. Dis-moi, ton Salman, là, le Libanais qui ne paye pas la maison, qui a pris la maison, qu'on n'a pas pu, désembouter, obtenir depuis 25 ans. Cette maison, il est comment? Il ressemble à un Indien, non? Il me dit, oui, mais c'est un Libanais, mais il ressemble à un Indien. Je lui dis, il a les cheveux blancs jusqu'au bas du cou. Il me dit, oui. Je dis, il est un peu potelé. Il me dit, oui, c'est exactement ça. Je dis, mais attends. Je lui dis, ah bon? Il me dit, mais justement, il vient de m'appeler. Il dit qu'il veut vous rendre la clé, nous rendre la clé de la maison. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons Jésus-Christ. 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 Acclamons. 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 Jésus-Christ. Et ça, c'était depuis les principautés de 2018. Alors je dis, d'accord, j'attends. Alors mon frère me dit, quoi, comment tu as fait pour voir tout ça? Il me dit, mais, mon frère me dit, mais dis-donc, votre affaire là est sérieuse, hein? Je dis, mais oui. Et je l'ai poussé dans l'eau, il est dans les fonds marins, il m'a fait un clin d'œil. Il me dit, oh, faut pas le maltraiter comme ça, qu'est-ce que ça fait un clin d'œil? Je lui dis, c'est un mari de nuit. Il me dit, qu'est-ce que c'est que mari de nuit, c'est trop long. Bon, bref, et voilà que aujourd'hui, mon cellulaire sonne. Qu'est-ce que j'entends? Bonjour, c'est maman Mireille, tout ça. La sœur Mireille, je dis, ici, je suis le frère Salman. Je vais dire oui, qui fait des clins d'œil aux gentils. Le frère Salman. Le frère Salman. Donc, il me dit, vos petits frères m'a demandé de vous donner la clé, mais il y a beaucoup de vos parents, votre petit frère, qui passent, qui veulent que moi, je leur donne la clé. Je dis, mais vous pouvez leur donner la clé. Il dit, non, je veux que ce soit vous seulement. Je ne connais pas Salman, je ne l'ai jamais vu, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Il dit qu'il ne veut donner la clé à personne d'autre qu'à moi. Donc je m'en vais prendre la clé le lundi matin selon notre rendez-vous. Au nom de Jésus, alléluia! Jésus-Christ! Jésus-Christ! Je suis Jésus-Christ! Jésus-Christ! Carrément Jésus-Christ! Marie! Oh! Le procureur a fait de moi une héritière! Le procureur Jésus a fait de moi une héritière. Que son nom soit béni. J'avais une petite enveloppe, je l'ai oubliée. Au fond, je vais la donner tout à l'heure. Soyez bénis. Que Dieu soit béni. Alléluia. Il y a beaucoup de frères qui sont nouveaux parmi nous. Qui ne peuvent pas bien comprendre le témoignage. Je lui demande de restituer le contexte avant de conclure, comme elle vient de faire. Ça va prendre, selon moi, 2 minutes. Alors, il y a une maison familiale. Une maison familiale que nos parents nous ont laissée à Marcory résidentielle, qui a eu 8 chambres et presque 10 pièces, plus les dépendances et tout. Et on a loué ça à un Libanais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a oublié la maison. On a oublié la maison. Et lui, il occupait la maison. Il est resté là pendant 25 ans. Voilà. Et quand on a voulu reprendre la maison, il est parti au tribunal. On a fini. Heureusement que mon frère est un juge au tribunal commercial. Il nous a permis d'éviter les erreurs qu'on aurait commises. Ma sœur est partie couper le courant chez lui, enfin d'éviter ce genre de choses. C'est lui qui nous a guidés. Ce qui est important, c'est que en priant l'an passé, non, c'était l'an What passé. What is the pardon? Why praying last year? En priant. C'est l'an passé. C'est en priant comme nous prions là que oui. Dieu lui a révélé qu'ils ont une maison. Donc, oui, c'est autres, au dernier renversement. Donc, on avait oublié complètement. Ils avaient oublié qu'ils avaient une maison. Moi, je savais alors même qu'ils pas. Elle ne savait pas. Oui. Elle n'avait même pas où dormir.
Ses soeurs, ses oui. frères non plus. Et nous, les trois filles, on est restés locataires pendant ces 25 ans-là. Ma soeur, même pharmacienne, dormait presque dans un sicobois. Donc, maintenant que tu maîtrises l'eau, tu peux pouvoir rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Il est merveilleux. Il est fantastique. Et quand tu... Oh, on ne peut pas le qualifier. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Abokan Victorine. J'ai pour faiseur Boniface Mounier. Frères et sœurs, je voulais bénir le nom du Seigneur parce qu'il m'a délivré de la, il m'a délivré de la colère et de la non-maîtrise du soi. Amen. Et comment ça s'est passé? Toutefois que ce programme venait, je négligeais. Je faisais ça à la légèreté. Mais cette fois-ci, je voudrais négliger. Et lorsque tu es en train de renverser dans la négligence, j'entends une voix qui me dit, « Mais est-ce que tu ne sais pas que ce n'est pas la colère que ta mère est morte parce qu'elle allait puiser l'eau et il y a un python qui était venu s'enrouler en elle et il a pris pour aller. 2 jours, elle est décédée. Mais pourquoi tu joues avec ça ?» Frère, lorsque j'ai compris cela, j'ai pris les choses en main. Et c'était une nuit, je me suis enfermé dans la maison et j'ai commencé à renverser les idoles encore. J'ai renversé, arrivé sur la colère et la non-maîtrise du soir, le Seigneur m'a dit de mettre les traits en bas. Amen. Et il a dit de reprendre plusieurs fois. Et j'ai renversé plusieurs fois. Au fur et à mesure que j'étais en train de renverser les deux idoles là, j'ai vu un arbre qui poussait devant moi. Et là, poussait jusqu'à la hauteur même du ciel. Il était devenu long. Et lorsqu'il est devenu, c'était une vision, hein? Je n'ai pas dit songe. Amen. Gloire à Dieu. Et lorsque l'arbre est devenu grand, à ma grande surprise, je vois un gros python qui était lâché. Je ne sais pas comment il a fait. Il a commencé à tomber. Il est quitté au ciel loin. Et moi, j'ai continué mon travail dans la concentration. Et le python tournait jusqu'à ce qu'il est venu tomber devant moi. Quand il est tombé, j'ai dit, je mets le feu du ciel sur toi. Et je te consume. Il a été consumé. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Frère, j'étais esclave de la colère. Tant bien, je suis dans la maison de Dieu. Cette colère a permis que je sois lâche. Je suis assise en mais qui a réussi quelque chose? Il me dit, oh, reste tranquille, assieds-toi. Ils vont dire que c'est toi celle qu'on voit ici. Je suis assise. Et souvent même le frère me disait, mais où tu es, ne rétrograde pas. Mais parce que je recevais, oh, va faire ton église toi. Mais j'ai compris quand tu as une faisait, vraiment, c'est merveilleux. Amen. La colère m'avait rendu même, vraiment, je ne sais pas quel mot. Mais Dieu dans son amour n'a pas permis que je reste dans cette colère et je meurs comme ma mère. Il m'a délivré de cette colère, de la non-maîtrise du soir. Je voulais lui rendre toute la gloire pour cette délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Amel Dali. Mon frère des disciples, c'est le pasteur Eko Michel. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il a renversé la principauté qui se trouvait au niveau de mes études. Amen. Il faut dire, hey, je suis doctorante à l'université depuis 2018. Et pendant un an, je faisais mes recherches. Arrivé un moment, j'ai constaté que je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien et quelque chose me disait, mais tu vas passer ton temps à faire des recherches. Regarde tes amis, telle personne travaille. Faut chercher du travail, tu peux travailler au privé, tu peux faire ceci, tu peux faire cela, mais arrête le doctorat. Donc, je ne voulais plus parler de doctorat. J'ai tout arrêté. J'ai trouvé toutes les raisons. J'ai dit à mon frère disciple que mon doctorat, je ne veux plus. Et les frères du campus, eux, vraiment, depuis qu'ils ont su que je suis en doctorat, on ne m'appelle plus par mon nom. Docteur, doctorat. Non, à chaque fois qu'un frère me disait ça, ça m'énervait. J'ai eu même à choquer ce téléphone, ne m'appelle pas comme ça. Mon nom là, c'est Amel, je ne suis pas doctorante. Je ne voulais plus de tout mon cœur. Un jour, mon frère ici m'a dit qu'il va prier pour moi. Ce jour-là,
J'ai failli pleurer. J'ai dit, il ne faut pas prier pour moi. Je ne veux plus le doctorat, je ne veux plus. Il y a les autres qui travaillent. Il dit, mais tu n'es pas les autres. Que si Dieu a permis que tu sois en doctorat, tu dois faire tout. Si tu ne veux pas travailler là, si tu veux faire des recherches, je vais écrire pour toi. Je lui ai dit, il ne faut pas te fatiguer. Je ne veux plus rien savoir. Frère, en réalité, j'étais possédée. Et quand la croisade a commencé, au début de la croisade, j'étais là et quelque chose me disait. Et puis je souligne aussi que je ne voulais même plus voir mon encadreur. Mon encadreur, c'est quelqu'un qui n'est pas compliqué. Mais j'avais commencé à le voir comme mon ennemi. Quand je suis à l'université, quand je le vois de l'autre côté, je change de route. Et au début, quand la croisade a commencé, un jour j'étais à la maison, je m'apprêtais pour venir. Et une voix m'a dit, mais retourne voir ton encadreur. Si tu ne comprends pas le sujet, il faut essayer de changer avec lui. Ne le vois pas comme un démon. Essaye de discuter avec lui pour que vous puissiez vous entendre. Et j'ai commencé à dire, peut-être que c'est bon. Et ce même jour, quand je sortais, j'ai rencontré une amie. Elle m'a dit, mais c'est comment, tu as quel niveau? Lui a dit que ma chérie, moi j'ai abandonné le doctorat. Elle dit, hi, comment ça? Elle a commencé à m'expliquer. Elle dit, ce n'est pas facile, mais on n'abandonne pas. Retourne voir ton encadreur. Et si le, en tout cas, c'est que le Saint-Esprit me dit, c'est la même chose qu'elle m'a dit. Donc j'ai dit, ah, peut-être que ça, c'est Dieu qui parle. Donc, le lendemain, j'ai appelé mon encadreur. Et on a, pas pu, bon, on a bien posé au téléphone, on n'a pas pu se rencontrer, mais seul, j'ai commencé à changer mon sujet. Je me suis dit, bon, comme c'est dans le domaine de la didactique, j'ai constaté que les étudiants font certaines erreurs. Donc, je vais travailler sur l'erreur linguistique. Et c'est cette chose qui était venue au matin. J'ai commencé à faire des recherches. Et frère, dans la nuit d'hier, le Seigneur m'a montré qu'il venait de me délivrer. J'ai eu un songe dans lequel j'étais arrêtée entre un département de maths info et puis la scolarité centrale de l'université. Et puis, il y avait en main mes dossiers. Non, dans le songe, je voulais aller travailler dans une entreprise privée. Et il y a quelqu'un qui m'a approché, un syndicaliste. Il dit, fais-moi voir tes dossiers. Et il a vu. Quand il a vu le papier que je devais envoyer dans l'entreprise, il était fâché. Il dit, mais c'est quoi ça? Tu vas aller faire quoi dans une entreprise privée? Ils vont te payer combien? Que tu tournes rond, tu tournes rond. Tu dois travailler, mais pas dans une entreprise privée. Et puis, il a dit, parce que l'idée qui m'était venue en tête, c'était de travailler sur l'erreur linguistique. Il m'a dit, l'erreur linguistique, c'est ce que tu dois faire. Et il a pris le papier que je devais envoyer dans l'entreprise, il a déchiré. Il dit, tu ne vas pas travailler dans l'entreprise. Et il a pris la direction de la scolarité centrale. Gloire à Dieu. Et je me suis réveillée. Il y a eu beaucoup de choses, bonnes choses que j'ai vues dans le songe. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, immédiatement, ce que j'ai compris, c'est que je dois continuer avec le doctorat, que Dieu est dans le doctorat. Si je vais dans l'entreprise privée, je vais me fatiguer. Puis, je vais souffrir. La seule voie que Dieu a ouverte pour moi, c'est le doctorat. Et ce même jour, j'ai commencé à faire des recherches. Il faut dire que depuis un an, je ne savais, je ne comprenais pas ce que je faisais. Je ne pouvais pas expliquer à quelqu'un ce que je fais. Mais aujourd'hui, j'ai pu expliquer. C'est-à-dire une idée que j'ai découverte il y a quelques jours. J'ai pu expliquer ce que je veux faire à quelqu'un. Et j'ai vu que Dieu venait de me délivrer. Quand j'ai expliqué à mon frère des disciples, il m'a dit, la principauté est tombée parce que c'était son fardeau. Acclamons pour Jésus-Christ. Les clap for Jesus Christ. Donc je veux dire merci à Dieu pour cette grande délivrance. Que son nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Je m'appelle Conne Elisabeth. J'ai pour faiseur de disciples le pasteur Yoboué. J'étais dans une église de la place. Et j'ai perdu ma mère. On est allé au funérail. On a donné des pains, mais particulièrement 5 gros pains kita qu'on a donné aux parents à la réunion. Ils ont pris les pains, ils ont refusé cette. Bon, ils ont donné d'autres pains à d'autres personnes. Et j'ai donné. On a donné pour habiller la maman, on a payé des bijoux et on lui a apporté ses bijoux. Les femmes avec qui je payais ces bijoux m'ont dit lors de l'enterrement, il faut lui enlever ça. Ça ne doit pas aller à la tombe avec. Et on est allé au village. On a fait tout ça. Et les parents ont enterré la mère avec les bijoux. Entre-temps, je leur avais déjà dit ça. J'ai demandé, mais est-ce que vous avez enlevé les bijoux? Ils ont dit, non, mais ça ne fait rien. Et on est venu. Dès qu'on est arrivé, les temps qui ont suivi, on a commencé à perdre nos biens.
On n'avait plus rien, on a commencé, nos enfants ont été attaqués, nous-mêmes, on a commencé à tout perdre, tout perdre, tout perdre. Et c'est dans cela que nous sommes allés dans un ministère pour prier. On a quitté là où on était, on priait, on est allé dans un ministère. Et c'est là-bas qu'on a prié un bon moment. Il y a une maman qui priait là-bas avec nous, elle est ici, maman Delphine. Elle nous a dit, ah, je ne suis plus là-bas, je suis maintenant à CMCI, il faut venir. J'ai dit non, ici c'est bon. Bon, elle a insisté, elle a pris rendez-vous avec l'homme de Dieu. Et ma famille et moi, on est venus voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu nous a parlé, on s'est entretenu, on lui a tout dit. Et quand il nous donnait des conseils, il a dit que faudrait aussi, est-ce que vous parlez avec, vous êtes en contact avec les familles. Au moment où, quand il a parlé de ça, maintenant on ne l'écoutait plus, parce que vraiment, des gens qui nous ont ensorcelés comme ça, vous parlez d'eux, il a dit de prier pour eux, tout ça. Donc, quand il a parlé, on est sorti, on dit, ça là, on ne peut pas venir ici. Hein. Si c'est pour prier pour des gens qui nous ont fait du mal comme ça, non, si c'est ça, on ne vient plus ici. Et c'est comme ça qu'on est parti. Mais on venait quand même, on a fait brisement de liens, repentance, le baptême. Mon mari et moi, on a fait tout ça, l'une de nos filles aussi. Et le pasteur nous suivait. À un moment, on ne venait plus. On ne venait plus. Mais il venait toujours à la maison, il nous suivait. Même quand mon mari est tombé malade, il venait prier pour lui à l'hôpital, à la maison. Et Dieu l'a guéri. Et ces derniers temps, maintenant, on a dit, il faut qu'on retourne à la CMCI. Il faut qu'on retourne à la CMCI. On a appelé l'homme de Dieu. On lui a dit. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. On a appelé l'homme de Dieu, on lui a dit que vraiment, on va revenir à la CMC. Il dit, mais c'est bien, venez. Donc, lui et moi, on s'est donné rendez-vous ici. On a parlé, il m'a donné le programme de ce programme. Voilà, il a donné ce programme-là. La croisade. Il nous a donné l'adresse de là où on pouvait prier, puisqu'on habite la Palmeraie. On a appelé l'homme de Dieu. On est parti, ils nous ont bien accueillis. Le pasteur de là-bas, le lendemain, est venu connaître chez nous. Le temps des temps qu'il est venu voir chez nous. Et c'est là-bas qu'on prie. Une maman de là-bas a prié dimanche passé, a donné le message dimanche passé, a dit que c'est quand vous donnez lors des funérailles, que c'est tout ce que vous avez donné aux funérailles que les gens en voûtent. On s'est vu concernés. Et dernièrement, on est venu à la croisade. Là, avant-hier et hier, l'homme de Dieu nous a entretenus sur les envoûtements. C'est les objets qu'on prend de vous, qu'on ensorcelle. C'est ce qui vous détruit. Et hier, il a dit, priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Il a dit de prier pour nos ennemis, que les prières, certaines délivrances dépendent de cela. J'ai regardé mon mari, il dit, mais c'est Dieu lui-même qui nous parle cette fois-ci. C'est Dieu lui-même qui nous parle. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui parle, c'est Dieu qui parle à travers lui. Donc, on n'a qu'à faire. Et c'est comme ça qu'on a prié pour nos ennemis. En tout cas, le cœur libéré, j'ai prié, on a prié et on est rentré. Et je me suis endormie, j'ai prié un peu vers 2 heures, je me suis endormie. À l'église, on s'est retrouvés ici à la CMCI, une grande prière comme celle-ci. Après la prière, j'ai dit que non, il faut que j'aille voir le monsieur qui a pris mes 5 pains. Dans ma vision, il faut que j'aille voir l'homme de Dieu qui a pris mes 5 pains. Et je partais, dans une rue là, je partais. Et trois petites filles m'appellent. Hé, hey, tanti, voici tes bijoux. J'ai dit, aïe. Et j'ai pris les bijoux. Et je partais, j'ai trouvé le monsieur. J'ai dit, monsieur, vous me devez mes 5 pains. Je suis venu prendre mes 5 pains. Il dit, bon, on va aller. On est allé, il dit, bon, allons d'abord à un endroit. Après, je l'ai accompagné, il y avait d'autres personnes. Et puis, on est allé dans une maison. Mais la maison n'a pas de toit. Mais c'est une cour, mais et de grands placards. Des placards, de grands placards. Il a ouvert. C'est une femme qui a ouvert. Elle a ouvert les placards, elle a choisi tes 5 pains. Et puis je suis entrée, j'ai choisi les 5 gros pains là. 1, 2, 3, 4, 5. Elle dit c'est fini. Je dis oui, c'est fini. Et puis je suis sortie avec mes pains. Donc, quand je partais, je me suis retrouvée dans une assemblée de CMCI. Et après la prière, l'homme de Dieu me dit, c'est toi qui donnes le message. J'ai dit, hé, qu'est-ce que je vais dire au peuple de Dieu? Et puis le Saint-Esprit me dit, va dans Ésaïe 52, verset 3. J'ai dit, bon, ouvrez vos Bibles. Ésaïe 52, verset 3. Et puis j'ai lu, ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Jésus-Christ.
Jesus Christ. Au moment où je voulais commenter ça, je me suis réveillée. Donc je rends gloire à Dieu pour cette délivrance et cette révélation. Acclamons pour Jésus Christ. La clap for Jesus Christ. Gloire à Jésus. Je suis le frère Kwame Frédéric. Mon faiseur de disciples est le pasteur Babatunde Nathanaël. Je voudrais dire merci au Seigneur Jésus-Christ qui délivre ses enfants de l'opprobre, du célibat, des envoûtements. J'ai été adopté par mon oncle et je ne savais pas que j'étais envoûté par sa concubine. Dans une vision, le Seigneur montrait qu'elle avait écrit mon nom sur un bout de papier, elle l'a mis dans une bouteille et enterré derrière la maison. Et le Seigneur m'a révélé ça et le Seigneur a brisé cette bouteille. Et le papier est sorti. Acclamons pour Jésus-Christ. Les clap for the Lord Jesus Christ. Et Dieu m'a délivré de l'esprit humain de ma mère. J'ai rendu témoignage ici que nous sommes issus d'une famille idolâtre, d'Ima, une secte hautement dangereuse dans laquelle je suis né. Et ma mère est une divinatrice de là-bas. Et donc, dans une vision, elle avait fait un cercle. Et j'étais au milieu du cercle et elle faisait des incantations sur moi. Elle était habillée en blanc parce qu'elle s'habillait chaque fois en blanc les vendredis. Et quand j'ai vu ça, j'ai crié à Dieu. J'ai jugé son esprit humain. Et je me suis couché, j'ai vu dans un songe, le feu a consumé ce démon et le feu l'a renversé. Et depuis ce jour, vraiment, je suis libéré. Je voudrais dire merci au Seigneur qui m'a délivré de l'esprit humain de ma mère. Amen. Je me nomme en état civil Gay Robert. Je viens de Zuenoula. J'ai été recommandé ici à SMCI à Abidjan, ici par Oulaï Cyril, le missionnaire de Zuenoula. J'ai mon épouse qui est malade depuis 1975. Cette maladie vit avec elle jusqu'à ce jour. Et donc, il m'a dit de venir ici à Abidjan en me recommandant chez Pasteur Zahir. Et je suis arrivé, le pasteur, il a fait sa repentance, son baptême, son brisement de liens. Il a prié avec ses collègues, tout allait bien. Et j'ai dit, bon, je vais repartir sur Zuenoula pour prendre les résultats du BPC de mes enfants qui sont restés derrière. Et je suis parti. Or, en partant, il y a l'une de ses sœurs qui est venue ici à Abidjan avec une jeune fille de 9 ans. Et cette dernière, je les ai laissées à la maison et je suis parti. J'ai fait 3 jours à Zuenoula. À mon retour, celle qui se sentait bien, que je me préparais pour venir dire merci à Dieu, je suis revenu la trouver complètement en état avancé dans la mort. Et j'ai appelé le prophète et le pasteur, il m'a dit qu'il va prier si elle se lève un peu de venir ici au temple avec elle. Mais elle ne pouvait pas se lever. Franchement, elle ne pouvait pas se lever. Et donc, j'ai pris quand même le courage de venir moi seul ici pour parler face à face avec lui. Et il m'a dit non, il faut tout faire pour qu'elle vienne. Et c'est le pasteur Logan qui m'a aidé pour avoir un taxi, aller la prendre jusqu'à Yopougon, Kouet. Je l'ai emmené ici. Au moment où ils étaient en train de faire la prière, même elle a perdu connaissance dans leurs mains ici. Et c'était difficile. Ils ont prié et puis ça allait. Ils m'ont dit de dormir ici. J'ai dit non, que je repars à la maison avec elle. Et je suis parti avec elle. Alléluia. Amen. Dieu, il est vraiment merveilleux. Amen. Au petit matin, il y a l'une de ses filles qui a commencé à rire doucement. J'ai dit, mais il y a quoi?
Hey non, papa, il faut rester tranquille. Dans quelques minutes, tu vas voir quelque chose. Je dis, ah bon? Donc, je suis sorti au dehors. Je suis assis là, je l'attends. Elle appelle sa grande sœur pour parler avec elle. Un coup, j'entends un cri dans la maison. Au moment où je rentrais, les trois filles, elles étaient tombées en transe. Elles ont commencé à prier, et ordonner sa maman de se lever. Que tout le sorcier qui est venu l'attacher, qu'elles ont détaché, elles ont brisé la chaîne. Lève-toi, marche. Et elle s'est levée, elle a marché. Et puis, ils lui ont dit de sortir. Elle est sortie. Cours, elle a commencé à courir dans la cour. Jésus est merveilleux. Et donc, alléluia. Alors, après l'agitation, tout et tout, elles sont rentrées encore dans la maison. La petite fille qui est venue avec sa grande sœur a été dans la maison. Et elles l'ont fait sortir. Quand elles l'ont fait sortir, elles ont tourné autour d'elle pour dire, tu dois nous parler. Tu es un messager, tu dois nous parler. Et elle a dit qu'elle ne peut pas parler avec eux, qu'elle veut parler avec moi. Donc j'ai appelé l'un de mes fils pour dire, bon, il faut envoyer mon portable, tu vas enregistrer tout ce qu'on va dire. Et l'enfant est venu, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et elle a dit, oui, qu'elle a été envoyée par la grande sœur que madame même suit pour venir l'achever, qu'elle a attaché. Elle lui est donnée à trois personnes, trois de ses tantes, à Zionia là-bas. Donc, elle est venue pour cette mission-là. Alors, elle a été dévoilée. Vraiment, il ne faut pas qu'on la frappe. J'ai dit, bon, ok, ça va. J'avais appelé le pasteur Esaïe, qui a ordonné un de ses collègues pour venir prier à la maison. Au moment où il venait, j'étais en train de l'interroger toujours. Et il a dit non, il faut la laisser. Alléluia. Amen. Jésus, vraiment, il est vivant. Dans cette église, Jésus est vivant. Amen. Moi-même, je suis président paroissial et ici à Zuenoula. Mais vu aujourd'hui ce que je suis en train de voir, vraiment, Jésus, il est merveilleux et il existe dans cette maison qu'on appelle CEPCI. Acclamons pour Jésus-Christ qui est vivant. For Jesus Christ who is alive. Alors, pour terminer, j'ai dit, ma soutane, je la dépose. Acclamons. Let's clap Jesus Christ. Acclame. Clap. Jésus Christ. Jesus Christ. Dis Seigneur Jésus. Bénis notre frère. Lord Jesus, bless our brother. Donne-lui un front dur. Pour combattre contre les incrédules. To fight against the unbelievers. Qu'il soit toujours victorieux dans toutes les batailles de la foi. May he always be victorious in all the battles of faith. Que son témoignage. May his testimony. Exalte ton saint nom. Exalt your holy name. Amen. Amen. Tu peux continuer. You can continue now. Alléluia. Je suis un père de 10 enfants. Toute ma famille. Je la déverse à CEPCI. Jésus-Christ. Alléluia. Je n'ai pas encore fini. Je dirai au leader Meunier Boniface que je lui offre un terrain. Asseyez-nous là pour bâtir notre temple. Amen. Amen.
Jésus-Christ. Quand il va démarrer les travaux qu'il me demande, je lui donne une tonne de ciment. Merci Jésus. Merci Jésus. Je me nomme Koné Nicole. J'ai pour faire des disciples le pasteur Biti. J'adore l'assemblée 4 à Makori chez les Manouins. Je viens attester que le Seigneur est puissant et qu'il délivre vraiment. En effet, depuis tout petite, je traînais sur moi une maladie vraiment honteuse. Je ne pouvais pas en parler à quelqu'un parce que cette maladie a vraiment, ça m'humiliait à un tel point. Et c'est comme cela, chaque jour, chaque nuit, je ne pouvais pas dormir. Je devais veiller sur moi-même, je devais veiller sur mon sommeil. J'étais préoccupée, comment faire? Parce que je n'arrivais pas à voyager, je n'arrivais pas à aller chez un oncle même pour dormir. Je cherchais la solution. Et c'est comme cela, l'année dernière, le Seigneur m'a délivré. L'année dernière, il y avait le renversement des principautés. Le pasteur Biti a passé à la maison. Il est venu, moi, ma tante et puis notre maman. Et j'ai insisté comme ça, que le Seigneur me délivre. Que cette année, ça soit une année de délivrance pour moi. Je ne veux plus traîner cette maladie avec moi. Et c'est comme ça que je ressentais dans mon fond intérieur une paix immense. Et le Seigneur m'a dit comme ça, tu n'es jamais allé au renversement des principautés. Va aujourd'hui, cette année, et tu vas voir. Et c'est comme ça, j'ai demandé qu'ils m'amènent avec eux. Et comme ça, le papa Meunier, sous l'Esprit Saint, a dit comme ça qu'on devait décharger tous nos fardeaux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier, frères et sœurs. Quand je rentrais à la maison, chaque nuit, je priais. Et j'ai demandé à Dieu qu'il ait pitié de moi, que je ne peux pas rester comme ça, avec cette maladie, jusqu'à grandir, vieillir. Et c'est comme cela, le Seigneur m'a délivré, frères et sœurs. Je suis rentrée à la maison, une semaine, deux semaines, un mois. Frères et sœurs, je ne pissais plus au lit. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Le Seigneur m'a vraiment délivré de cette maladie honteuse. Parce que même quand j'avais les étrangers à la maison, je ne pouvais pas m'endormir. Parce que je devais veiller sur moi à ne pas être humiliée le matin. Et je suis infiniment reconnaissante au Seigneur. Parce qu'il a écouté ma prière. Il a eu pitié de moi pour me délivrer l'année passée. Jusqu'à présent, frère, sœur, je suis délivrée du pipi au lit. Je dors correctement. Je me réveille normalement. Je suis comme les frères et sœurs. Et je lui suis infiniment reconnaissant pour cela. Amen. Je vais rendre gloire à Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu. Amen. Le Dieu de la CFCI. Le Dieu qui n'abandonne pas. Le Dieu qui est vivant. Je me nomme Madame Zadi. Mon faiseur de disciples, c'est l'ancien Basile Nyeswa. Il y a baptême et puis il y a baptême. Il y a baptême et puis il y a baptême. Baptême de la repentance, ça ne ressemble pas à baptême de n'importe où. Mon mari a été baptisé le dimanche, le jour de la fête des pères. Ça a été un événement. Ça a été un événement, ça a été un combat. Mais Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, je vous le dis, j'ai dit baptême de la repentance. Je ne parle pas de n'importe quel baptême, je parle du baptême de la repentance. Mon mari, on a tellement cherché Dieu qu'on n'a pas trouvé Dieu. On était découragés. Moi quand même, je partais. Mon mari, il ne partait pas parce qu'il était découragé. Un jour, on a reçu la visite de Papa Nyeswa. Il nous a évangélisés. On lui a dit, on est fatigué. Il dit, non, Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu. On dit, on est fatigué. Il dit, mon Dieu dont je suis venu vous parler, il est Dieu. Moi, j'ai essayé. Mon mari dit, non. Ma femme, faut aller. Si ça marche, je vais venir. Et je suis partie. J'ai fait ma repentance. On dit baptême, dit non, moi je suis déjà baptisée, je ne me baptise plus. On dit si, ok, je me suis baptisée.
On dit à ton mari, mon mari dit non, moi je ne me baptise pas. C'est bon, ma femme n'a qu'à aller. Et je continuais la prière. Femme, si ton mari ne connaît pas Dieu, fléchis genoux. J'ai fléchi genoux. Le temps est court, je ne peux pas rentrer dans les détails. Ce que moi-même j'ai vu, ça m'encourageait de fléchir genoux. Et j'ai dit, mon Dieu là, celui que j'ai croisé à la CFCI, il doit croiser aussi mon mari. Mon mari au-dessus doit le croiser. Et on continuait l'évangélisation. On a une sœur, maman Awa, elle ne dormait pas. Papa Yeshua ne dort pas. À minuit, à 23h, il était chez moi pour parler à mon mari, pour parler à mon mari. Le jour où il a accepté de se donner à Dieu, le Dieu que je sais, il est fidèle, il n'abandonne pas. Il va montrer un peu seulement à mon mari. Et quand il a accepté la repentance, quand il a commencé la repentance, un peu seulement, là, quand son cœur a décidé de faire la repentance, il n'a même pas encore payé le cahier, mais il a commencé un peu. Dieu dit, moi aussi je suis là. Il travaille à la cire. Et puis c'est comme s'il ne travaillait pas. On n'a même pas tabouré chez nous. On ne mange même pas à la fin. On ne mange même pas jusqu'à notre fin. Mais nous sommes habillants. Quand papa Nyeso est venu chez moi, il a vu. Quand papa Billet est venu chez moi, il a vu. Il n'y avait rien. Mais nous sommes à Abidjan. Mon mari est fonctionnaire. Mais pourtant, il n'y a rien. Et mon mari a été blessé à la scie. Comme il n'a rien. Son dossier était jeté quelque part. Par la prière, on l'a appelé. Quelqu'un qui a été blessé, la caisse va juger son dossier. 37 000 francs par an. 37 000 francs. Parce que le dossier même là, les grands frères étaient assis dessus. Mais ils ne sont pas plus grands que le Dieu que moi je sais. Jésus-Christ. Jesus Christ. Pas plus grand. Et dans une causerie quelque part, quand tu es chrétienne, tes oreilles sont attentives. Tu prends ce qui est bon dans les causeries. Quand les gens causaient, j'ai attendu une parole. J'ai dit, mon mari, il faut relancer le dossier de la caisse. Il dit, ma femme, c'est fini. J'ai dit, non, lance le dossier, il faut relancer. Je sais de quoi je te parle. Et mon mari a relancé le dossier. Pendant ce temps, il a accepté le Seigneur. Pendant ce temps, le Dieu de la CFCI, il a accepté. Jésus-Christ. Pendant ce temps, le Dieu de la CFCI a commencé à travailler dans le dossier de la caisse. Jésus-Christ. Jesus Christ. Je ne vous dis pas, le Dieu de la CFCI, le Dieu sage, le Dieu grand, il a dit, je vais vous montrer un peu de ce que je suis vivant. Et le jour est arrivé. Le jour du baptême, le jour du combat est arrivé. Ce jour-là, on a fait le culte à l'académie. Papa Nyeso est parti à Yamoussoukro. C'est lui qui devait le baptiser. Il est parti à Yamoussoukro. Quand il est parti à Yamoussoukro, il a appelé papa Esaïe. Il faut baptiser M. Zadi. La pluie dit, moi je suis là. Ce baptême ne va pas avoir lieu. On appelle papa Isaïe, il dit, j'arrive, il pleut. Mon mari dit, aujourd'hui là, on va me baptiser. Acclamons pour Jésus-Christ. Les clap for Jesus Christ. J'ai dit, alléluia, j'ai dit baptême de la repentance. J'ai dit baptême de la repentance, il y a baptême et puis il y a baptême. Je te parle du baptême de la repentance. Ce dimanche-là, les pères étaient en fête. On appelle papa Billy. Il est en fête. L'autre côté, il y avait la pluie. Entre temps, là, nous aussi, on était mobilisés. On dit, on s'en fout de la pluie. On va te baptiser. On s'en fout de la pluie. Mon mari dit, je m'en fous de la pluie. Que la neige tombe. Aujourd'hui, on va me baptiser. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. On appelle un tel frère.
Ils sont en train de manger, faire des pains. Mais nous, on s'en fout. Il a plu, vénère. On dit, on s'en fout. Le baptême va avoir lieu. On s'en fout. Le frère Kramoko, il était mobilisé. Maman Liade était mobilisée. La deuxième dirigeante était mobilisée. Et nous, on était mobilisés. Les semaines étaient mobilisées. Il n'y a pas de baptiseur. Non, il aurait un baptiseur. Mon mari dit, qu'il pleuve, qu'il neige, il va avoir un baptiseur. Jésus, moi je veux être baptisé. Baptême de la repentance. Je veux goûter ça aussi. On appelait Papa Bilé. On appelait Papa Bilé. Il dit, j'arrive. Il a dépêché un baptiseur. Ah, le baptiseur. Ah, le baptiseur. Le baptiseur. Et quand le baptiseur arriva sur le lieu, il pleuvait. Le baptiseur était en blanc, mais il s'en foutait de la boue. Il a plié son pantalon. Il dit, je suis là. Ainsi, on a plongé mon mari dans l'eau des baptêmes. Jésus-Christ. Après le baptême, le diable voyait ce qui arrivait. Il voulait empêcher. Il ne sait pas que nous sommes plus intelligents que lui. On l'a dribblé. Il n'a pas empêché le baptême. Le baptême a eu lieu. Les deux cieux qui étaient bloqués, de la caisse qui était bloquée. Le dimanche, c'était le baptême. Le lundi, on l'appela la caisse. Jésus-Christ. Lorsqu'on l'appelait le mardi, le lundi on l'appelait la caisse. Mardi se rendit à la caisse. Quand il arrivait, son chèque était prêt. Jésus-Christ. Le baptême de la repentance, son chèque était prêt. Ils ont payé le chèque. Il dit, bon, pour être reconnaissant, je vais monter, aller dire merci à la directrice. Ça, ce sont les hommes qui ont payé ce premier chèque. Il y avait un deuxième chèque qui était pour Dieu. Quand Dieu a regardé le montant, il dit, non, mes enfants ne méritent pas cela. Moi, Dieu, je dois me mouvoir. Quand il allait dans le bureau de la directrice, il dit, monsieur, ton chèque est prêt? Il dit, oui. Il dit, laisse-moi voir. Quand elle a regardé, elle dit, non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Jesus Christ. Le Dieu de la CFCI ne donne pas les miettes. Il n'est pas un marabout pour se limiter. Il est au-dessus des marabouts. Le chèque allait se faire en 10 jours. Le chèque s'est fait en 5 minutes. Ainsi. Aujourd'hui, moi aussi, je suis à Abidjan parce que désormais, il n'y a plus de tabouret dans ma maison. Je bénis le nom de Dieu. Je rends gloire à Dieu. Jésus. Et je dis merci à Dieu.